rassemblement. Discours officiel par M. Kayabé, président de l'association CPG Satem. Nous voici comme tous les ans réunis autour de la stèle qui représente l'entente du monde combattant de la dernière guerre mondiale. Elle fut érigée en 1995 par la volonté des associations des internés résistants, de l'association des requis au titre du STO et de l'association des prisonniers de guerre du Béarn et Pays de Soule. Elle représente un lieu de souvenir. Elle est inviolable. Cette stèle n'est qu'un simple rocher d'une tonne et demie arraché aux Pyrénées et déposé à quelques pas du chemin emprunté par tous les ressortissants rejoignant leur foyer après plusieurs années de torture, de souffrance et de brimades, tout un peuple qui fut incarcéré en Allemagne. Elle est le moyen vivant de transmettre aux générations suivantes le devoir de mémoire. Elle s'inscrit parfaitement dans l'appellation de Pauville d'art et d'histoire. André Labarrère, ancien député maire de Pau, au cours d'une réception avait proclamé « Une société qui oublie ses souffrances est une société perdue ». Puis, il avait loué l'esprit de fraternité et de partage qui règne entre anciens combattants. Il faut que la jeunesse prenne en compte et n'oublie jamais les témoignages des anciens encore vivants pour en tirer les conséquences pour l'avenir. Une quinzaine reste encore fidèle au sein de notre association. C'est pourquoi nous, anciens combattants plus jeunes, nous pérennisons cette mémoire en rendant hommage à tous ces hommes, en particulier à ceux qui, le 2 avril 1945, débarquèrent en cette gare de Pau pour retrouver leur Béarn. Soyez tranquilles, chers anciens, les deux dernières générations du feu, les CATM et les OPEX, sont là pour assurer la relève. Je tiens à remercier la municipalité au nom de Monsieur le maire de Pau pour tout l'intérêt qu'il porte aux anciens combattants et en particulier à notre association. Merci aux services techniques de la ville de Pau. Merci à nos porte-drapeaux qui, toujours dévoués d'une rectitude irréprochable, toujours bon pied, bon œil. Et merci à vous tous, chers amis présidents, d'avoir répondu présent.
des anciens combattants par le président Jacques Kayabé et Madame Barada. Dépôt de gerbes pour les officiels de la ville de Pau. Les porte-drapeaux.
On va faire une photo avec, je vais te dire qui, Madame Barada et Annick. Et Annick, au monument, là. De regagner le kiosque en ordre, ensuite démontage là-bas, hein, s'il vous plaît. Donc en ordre, puis démontage lorsque vous êtes au kiosque. Merci, mesdames et messieurs. Thank you.